Deux nouveautés très importantes dans la gamme des barres de son Sony avec deux produits qui sont labellisés Atmos. Atmos de façon à pouvoir avoir à la fois un son surround en horizontal et également en vertical. Ainsi, je suis encore plus immergé dans mon film, dans mon spectacle. Premier exemple de ces barres Atmos, la ZF9. C'est un produit 3.1, donc avec trois enceintes. En façade et un caisson de basse. Comme tous nos produits euh, labellisés iRes, la grille en métal est détachable et elle est connectée. Ça veut dire que grâce à votre Wi-Fi de maison, vous pouvez très bien l'utiliser comme élément principal audio dans votre salon et faire votre streaming audio ou écouter vos meilleurs morceaux en qualité iRes. Côté Home Cinéma, elle a deux codecs, le DTSX et le Dolby Atmos. Jusqu'ici, pour bénéficier du Dolby Atmos, il fallait avoir beaucoup d'enceintes devant, derrière et surtout au-dessus, ou alors jouer avec des enceintes réflectives de façon à envoyer le signal vertical vers le plafond. On s'en affranchit avec la nouvelle technologie Sony, puisqu'on cumule deux technologies de son. Une première, le Air Force Pro Front Surround, qui va permettre d'avoir un son surround horizontal, et le second, le Vertical Surround Engine, qui va y apporter de la verticalité. Ainsi, je suis complètement immergé dans mon spectacle, dans mon film. Non seulement je suis capable de recréer de l'atmos à partir d'une source Atmos, notamment des Blu-ray 4K dont la piste audio est labellisée euh, Dolby Atmos, mais également depuis n'importe quelle source audio, que ce soit une source stéréo, 5.1, à chaque fois je vais pouvoir, grâce au Vertical Surround Engine, y ajouter de la verticalité et donc une bulle à 360. La barre ZF9 et lancée à partir du mois d'avril au prix de 800 euros. Elle a une petite sœur qui s'appelle la XF9000 qui reprend tous les avantages du Vertical Surround Engine et du S-Force Pro Front Surround pour avoir la bulle de son home cinéma. La seule différence c'est qu'elle ne sera pas connectée et qu'elle ne sera pas labellisée ARS Audio. Elle aura un design légèrement différent. Elle sera biseautée de façon à venir se lever au milieu des pieds de nos nouvelles télé. Elle sera disponible à partir du mois d'avril également au tarif de 500 euros. Notre gamme de barres de son Atmos commencera donc à partir de 500 euros. Côté facilité d'utilisation, ces deux barres de son sont également connectables à votre télé en Bluetooth de façon à ne pas avoir de câble entre la télé et la barre de son. Et la ZF9 peut également obéir à une enceinte Google Home ou LFS50 par exemple de chez Sony, qui pourra lui donner l'ordre d'aller chercher votre streaming vidéo ou votre streaming audio directement.